un animal majestueux et emblématique de la faune africaine. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage extraordinaire à travers les vastes plaines de la savane africaine, pour découvrir les secrets du roi des animaux, le lion. Le lion, symbole de puissance et de noblesse. Le lion, ou Pantraléo, est une espèce de mammifère carnivore appartenant à la famille des félidés. Ce grand félin est reconnu pour sa crinière impressionnante et sa stature imposante. Les lions d'Afrique, souvent considérés comme les plus majestueux, peuvent atteindre des poids allant de 145 à 225 kg pour les mâles, avec des spécimens exceptionnels dépassant parfois les 300 kg. Les lionnes, plus légères, pèsent entre 83 et 168 kg. Les lions sont de redoutables prédateurs, avec des mâles adultes se nourrissant en moyenne de 7 kg de viande par jour, contre 5 kg pour les femelles. Contrairement à d'autres félins, les lions sont des animaux grégaires, vivant en groupes familiaux appelés troupes ou hardes. Les lions dans leur habitat naturel. Imaginez-vous au lever du soleil sur la savane africaine. Les premiers rayons de lumière éclairent un paysage infini de hautes herbes dorées et d'acacias dispersées. Au loin, un rugissement profond et résonnant se fait entendre, signalant la présence du roi de la savane. Ce rugissement puissant peut s'entendre jusqu'à 8 km à la ronde, un rappel constant de la domination du lion sur son territoire. Les lions africains, qui ne comptent plus que 16 500 à 30 000 individus à l'état sauvage, sont répartis en deux sous-espèces majeures, le lion d'Afrique de l'Ouest et le lion d'Afrique de l'Est et du Sud. En Asie, une population isolée de lions, comptant environ 300 individus, survit dans le parc national de la forêt de Gir en Inde. La structure sociale des lions. Les lions possèdent une structure sociale complexe et bien organisée. Une troupe est généralement composée de plusieurs femelles apparentées, de leurs petits et d'un ou plusieurs mâles dominants. Les lionnes, principales chasseuses, collaborent de manière experte pour abattre des proies bien plus grandes et rapides qu'elles. Les mâles, bien que moins actifs dans la chasse, jouent un rôle crucial en protégeant la troupe des intrus et des prédateurs concurrents. Ils défendent farouchement leur territoire contre d'autres mâles, utilisant leur force et leur crinière imposante pour intimider et repousser les adversaires. La crinière du lion, symbole de force et de virilité. L'une des caractéristiques les plus emblématiques du lion mâle est sa crinière. Cette masse de poils, variant du brun clair au noir, commence à se développer vers l'âge de 3 ans. Une crinière dense et sombre est souvent un signe de bonne santé et de forte constitution, attirant les femelles et dissuadant les rivaux. La couleur et la densité de la crinière peuvent également être influencées par des facteurs environnementaux tels que la température. Les mâles sans crinière, comme ceux du parc de Tsavo au Kenya, intriguent les scientifiques. Certains pensent que cette absence est une adaptation aux conditions climatiques extrêmes de leur habitat. La chasse, une coordination impeccable.
La chasse est un spectacle fascinant de coordination et de stratégie. Les lions chassent principalement la nuit, profitant de leur vue nocturne exceptionnelle pour repérer et approcher silencieusement leur proie. Elles utilisent la végétation pour se dissimuler avant de lancer une attaque fulgurante. Les principales proies des lions incluent les gnous, les zèbres, les buffles et les antilopes. Les lions encerclent la proie, utilisant leur force collective pour abattre des animaux bien plus grands qu'elles. Une fois la proie capturée, le mâle dominant se nourrit en premier, suivi des lions et enfin des lionceaux. Les lionceaux, espoir de la prochaine génération. Les lionceaux, nés après une gestation de 110 jours, sont petits et vulnérables, pesant à peine 1,5 kg à la naissance. Ils sont nourris et protégés par les lionnes, qui partagent souvent la garde et l'allaitement des petits au sein de la troupe. Les lionceaux jouent un rôle crucial dans la pérennité de la troupe, mais seuls les plus forts et les plus chanceux survivront jusqu'à l'âge adulte. La conservation du lion, défi et espoir. Le lion, bien qu'emblématique, est aujourd'hui menacé. Entre 1993 et 2017, la population mondiale des lions a diminué de 43%. Les principales menaces incluent la perte d'habitat, les conflits avec les humains et la chasse illégale. Des efforts de conservation sont en cours pour protéger ces majestueux prédateurs. Des programmes de reproduction en captivité, des initiatives de réintroduction et des projets de préservation des habitats sont essentiels pour assurer l'avenir des lions. Le parc national de Gir en Inde est un exemple de réussite, où la population de lions asiatiques a lentement augmenté grâce à des mesures de protection strictes. Le lion, roi de la savane, continue de fasciner et d'inspirer les générations. Son rugissement puissant, sa crinière majestueuse et son rôle de prédateur suprême de la savane en font un symbole de puissance et de noblesse. Protéger les lions, c'est préserver un élément crucial de notre patrimoine naturel et garantir que les futures générations puissent admirer ces magnifiques créatures dans leur habitat naturel. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration du monde des lions. Nous espérons que cette aventure vous a permis d'apprécier la majesté et la complexité de ces incroyables prédateurs. Rejoignez-nous pour d'autres voyages fascinants à travers la faune sauvage.